Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec ta Skiller 85. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Oui, vous l'attendiez, on va bien parler aujourd'hui du petit Wizard Ishin 140 HV. Mais pas que. Hein, je vais aussi vous montrer un petit truc sympa. Si vous êtes gentil, si vous êtes sage, en fin de vidéo dans l'outro, ou peut-être juste après, vous savez qu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai mes réglages Betaflight pour le petit 140 HV. Et si vous êtes sage, vous vous souvenez de mon petit full titanium de chez Flywoo, eh bien, voici l'avant. Et voici l'avant. Donc si vous êtes gentil, je vous mettrai en fin de vidéo un petit extrait de DVR avec mon système là. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui parce que j'ai envie de vous laisser un peu la surprise. J'ai bien bossé mon sujet. Si tout va bien, on aura des petites images assez rigolotes. J'attends vos commentaires hein, pour me dire ce que vous en pensez. Et bien sûr, j'ai plein d'idées. Hein. Aujourd'hui, pas de caméra Full HD, mais bien sûr, il y en aura une à la base. C'est le plus important pour moi. Et plein de petits gadgets encore à vous montrer. Mais ça, en fin de vidéo, celui qui a deux avant, hein, comment on va l'appeler, le Macao front-front. Bref, aujourd'hui, on va parler du petit Wizard 140 HV qui est là. Hop, je vais retirer mon petit support parce que je m'en sers. Alors, bah, c'est un 140, on a une petite frame assez sympa, donc on n'a pas les bords biseautés, on n'a pas, je pense, la résistance, vous voyez, le carbone, ça n'a pas l'air d'être non plus un super carbone, donc ça sera un point moyen pour ma revue, je pense, pour cet engin. On voit qu'il est assez souple, hein, le carbone. Donc, à mon avis, pas une grosse qualité de carbone, il ne doit pas aimer les grosses chutes, je pense. Tac. Cela étant dit, on a du carbone de 1 mm pour les plates extérieures sur les côtés, les plates verticales, 1,5 mm pour les plates horizontales, et on est en 3 mm pour la plate principale avec les bras, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a comme chose importante sur ce petit appareil? Bah, deux choses. La première, c'est que c'est un 3 pouces, donc 140, et qu'il accepte le 6S d'origine comme ça. Et la deuxième, c'est qu'il a un petit filament LED, je ne sais plus trop comment ils appellent ça, le light quelque chose, bref, un petit filament ici, qui est directement relié au LED qu'il y a à l'intérieur, donc les LED on les voit par en dessous ici, et ce petit filament, bah écoutez, va être éclairé de la même façon que les LED, voilà, donc si vous mettez un Larson scanner sur les LED par exemple, vous aurez des fluctuations de luminosité en dessous le quad aussi, donc ça pour les vols de nuit, donc vous savez que voler de nuit c'est interdit, mais vous pouvez voler une demi-heure avant le lever du soleil ou une demi-heure après le coucher du soleil, donc vous pouvez voler de nuit sous certaines conditions. Donc voilà, je vous mettrai quelques petites images, j'ai pas volé de nuit, mais je vous mettrai des images en fait de ce que ça donne au niveau de la luminosité. Comme ça, vous vous en rendrez compte. Petite nouveauté aussi, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, je filme avec une nouvelle caméra. Voilà, je filme en 4K pour voir ce que ça rend. Donc, vous me direz ce que vous en pensez par rapport à d'habitude. Par contre, je fais les deux prises de son. Je fais la prise de son là, tout de suite. C'est le son de la caméra que vous entendez parce que je n'ai pas reçu le micro externe encore, mais j'en aurai un. Pour l'instant, c'est le son de la caméra. Rappelez-vous juste du nom, c'est une caméra Akaso. A-K-A-S-O. Je vous dirai ce que j'en pense après quelques tests, bien sûr. Mais je change de micro et je reviens sur mon micro de base. Donc ça, on en reparlera. Si je suis satisfait, je vous parlerai de cette petite caméra parce qu'elle est bien fournie, ma foi. Donc là-dessus, en moteur, on a des 1507 en 2500 kV et on a une bonne résistance. Bien sûr, vous ne le sentirez pas, mais moi, je le sens bien. Ça gratte. Écoutez à côté du micro. Voilà, je ne sais pas si vous entendrez. Ça gratte sur mon ongle. Donc c'est des moteurs qui sont plutôt bien finis, j'ai l'impression, et bien montés. Donc petits moteurs Ishin qui ont l'air bien costauds, on verra ce que ça donne. Les petites hélices sont des dalles propres en 30-56, donc on les connaît aussi, hein, on connaît la forme, elle est un petit peu différente de celle de d'habitude, donc on verra ce que ça donne, on a un bon petit pas là-dessus. Pour la caméra, c'est la Foxeer Arrow Micro Pro, donc bonne résolution. Aujourd'hui, je ne ferai pas de HD, même si on pourrait mettre une petite caméra HD dessus. Je vais simplement vous rendre compte de la clarté de cette caméra. On a une petite tower ici en 20 par 20 avec des ESC qui font 20 ampères x 4 bien sûr et 25 ampères en pic, donc 100 ampères au maximum pendant quelques secondes, hein, donc sinon 80 ampères. Je vous montrerai ce que j'utilise comme batterie après puisque je vous ai dit qu'il prenait le 6S. C'est pas évident de trouver du 6S en petit ampérage avec des bas milliampères, mais il y a une autre solution, vous allez voir.
Une petite carte F4 sur le dessus, rien de spécial à dire, 20 par 20 bien évidemment, équipée de tous les petits branchements en direct. Alors la seule chose que j'ai changé dessus pour mon récepteur, puisque là le branchement que vous avez pour la carte c'est du IS-Bus, pardon, et moi j'utilise le FLI 14 Plus qui fonctionne en IBUS. Donc la seule chose que j'ai fait, je vous mettrai des petites photos, c'est que j'ai simplement utilisé la prise pour le plus et le moins de mon récepteur, j'ai coupé le fil signal que je suis allé brancher sur le RX qui est à côté, donc rien n'a changé puisque c'est le même URT, et là ça fonctionne en IBUS. Juste à côté, sur le dessus, on a le VTX, c'est le XF805, on le connaît. Donc c'est un 40 canaux qui fait 25, 100, 200 et 300 milliwatts. Il est équipé bien sûr du TBS Smart Audio, donc on va pouvoir modifier que ce soit la puissance ou les canaux, les bandes, à partir de l'OSD bien sûr et de la radiocommande. Donc là c'est plutôt pas mal aussi. Une petite antenne bâton, toute simple. Moi j'ai simplement rajouté, donc ça fait partie des quelques modifs que j'ai fait, ce petit support en TPU où on peut y glisser deux petits supports d'antenne ici, des petits bâtons. Je vous avais déjà mis des liens comme ça, je vous en remettrai pour ceux qui ne savent pas, pour placer les antennes. Donc c'est la seule modif que j'ai fait pour avoir quelque chose de propre à l'arrière, tout simplement. Sinon vous vous arrangez avec un Rizlan, un collier Colson et de la gaine thermo. Et l'autre modif que j'ai fait, c'est ce câble d'alimentation qui normalement passait entre les deux cartes. Ici, puisque vous avez une carte en dessous, alors moi on voit juste au-dessus de la carte du dessous, j'ai mon petit FLI 14 Plus, mon récepteur, et la carte du dessous, en fait, vous allez y pouvoir passer le câble d'alimentation en dessous, au lieu de le laisser entre les deux cartes, puisque trop près du VTX, moi j'aime pas trop les alimentations, donc j'ai simplement ouvert pour passer le câble complètement en dessous, et cette petite carte en dessous, c'est juste le support pour les LED, qu'on voit ici, et le buzzer qui est juste en dessous. Donc j'ai passé mes câbles, au lieu que les câbles sortent de l'arrière ici, ils sortent par en dessous, et c'est ma foi pas plus mal pour brancher les batteries de toute façon. Donc voilà, on a fait le tour du petit joujou. Donc pour ceux qui ont suivi mes vidéos, vous avez vu dans la dernière vidéo, à la fin, dans l'outro, vous avez vu vite fait ce qu'il donnait en 6S, ma foi il en voit pas trop mal. Et bah écoutez, on va se refaire un test aujourd'hui. On va voler en 6S et en 4S. Comme vous le voyez, ma 6S est aussi grosse qu'une 4S, voire presque un peu plus petite. Pourquoi ? Comme je n'avais pas de 6S entre 500 et 700 mAh, j'ai utilisé deux 3S de 500 mAh ici. Ce sont des EPS en 75C. Et en fait, j'ai fabriqué un adaptateur. Alors, soit on fabrique... Oh, une araignée. Alors, soit on fabrique un adaptateur comme celui-ci. Le branchement n'est pas très compliqué, puisque là, il faut être branché en série et non pas en parallèle. La parallèle, c'est quand vous mettez le rouge avec le rouge et le noir avec le noir, ici, et vous n'en faites qu'une seule prise. Et la série, c'est l'inverse. Vous retournez votre câble, vous branchez le rouge avec le noir et le noir avec le rouge de l'autre. Et ça, vous le ressortez en une seule prise. Alors, soit un adaptateur, soit vous coupez les fils et vous en faites un adaptateur, mais c'est un peu plus compliqué. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça, c'est beaucoup plus facile à faire. Je pense qu'on en trouve. Si j'en trouve des tout faits, je vous mettrai un lien. Enfin bref, donc j'ai utilisé donc deux batteries 3S en 500 mAh, ce qui fait que je me retrouve avec une batterie 6S en 500 mAh qui développe 75C. Donc on est parfaitement bon pour ce petit quad. Je pense qu'on ne sera pas trop puissant. Et sinon, on volera également en 4S, en vol à vue, pour voir ce que ça donne, parce qu'on ne voudra pas forcément voler en 6S avec ce petit engin. En 3, 4S, il va très bien fonctionner aussi. Donc petit vol à vue en 4S, et ensuite je mets la 6S pour vous donner vite fait un aperçu de la pêche en vol à vue. Et juste après, je me pose et on part en FPV avec la 6S. Pour voir également le rendu. Donc c'est parti pour un premier petit test. Oui, comme je vous l'ai dit, c'est livré aussi avec le petit support qu'on commence à connaître. J'ai décidé de le mettre en libre. Voilà, j'ai pas passé la sangle dedans, je le rajoute simplement. Et oui, j'ai changé la sangle parce que avec la 6S, celle fournie était un petit peu courte. Donc j'ai mis une petite sangle de chez Flywoo, libre à vous. Ça, on en trouve un peu partout. Je vous l'ai pas dit, mais il est livré aussi avec 4 hélices de rechange. C'est parti pour le petit test. Alors, petite torsion habituel sur le câble pour réduire. Tac. L'avantage de ce petit pad, c'est qu'il est posé bien droit. Alors c'est parti, là je suis en 4S avec une petite Zop Power. Je me garde la 4S ACE pour le petit test en FPV. Let's go. Le voilà, notre bébé. Donc j'ai le vent en face aujourd'hui, vous voyez, il revient tout seul. Donc là on est en 4S,
sens qu'il a un petit peu de pêche hein, quand même. Alors on va se faire un petit test de punch en 4S tout de suite. Allez, reviens Léon. Donc test de punch avec une petite Zop Power qui est en fin de vie. 4S 750 mAh dans 3, 2, 1. Bon, bah déjà c'est correct. C'est pas une bombe, hein. Il est prévu pour voler en 6S. Hein. Mais ça marche. Ça marche déjà pas mal en 4S. En tout cas, il répond bien. Ça vole proprement. Allez, on va brancher la 6S. Hein. Je vous refais un petit test de punch, histoire que vous vous souveniez. 3, 2, 1. Allez, c'est léger. Mais on le sait, c'est du 4S. Il en veut plus que ça. Allez, on va se poser. Tac! Allez, j'installe la 6S. On se fait un test de punch. Et on part en FPV, voir ce que ça donne. J'ai pas testé encore la 6S en FPV. Ce sera ma première. Donc la petite batterie fait 48 grammes, je crois. 49 grammes. Donc on est un petit peu en dessous des 100 grammes pour la batterie 6S. Ça reste correct. Bien arrimé. Je vais cacher hop, mes fils de balance à l'intérieur et je vais torsader ici, voilà, pour bloquer tout simplement. Bon bah déjà ça prend pas feu. C'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, let's go, lui il est prêt, allons-y. Pré-armement, armement. C'est parti! Alors, un petit test de punch en 6S tout de suite. Dans 3, 2, 1. Ah, ça change. Hein. Allez, je vous en refais un. Pour le fun. 3, 2, 1. Ah, ça queen, hein. Ah, ça queen mieux tout de suite. Hein. Allez, je le pose. Je vais pas insister sur la 6S, sinon j'aurais pu de quoi faire du FPV. Tac. Allez, je m'installe et on y retourne. Allez, c'est parti. Premier petit test en 4S avec les petites ACE. J'ai bien sorti l'antenne. Let's go. Bon vol, les amis. Oh, il fait beau. La caméra est jolie, hein. Alors, ça part bien droit, donc j'ai le vent qui me pousse sur les arbres là. Le vent vient d'en face là, il vient de là. Donc là, je suis face au vent. En tout cas, la caméra a l'air propre. C'est joli. On va aller se faire un petit panoramique. Donc c'est la Foxeer Arrow Micro Pro. C'est une caméra CCD. Ah, ça va, c'est joli. En tout cas, ils nous ont pas mis de la daube. Ça fait plaisir. Joli comme tout. Yep. Il fait des rolls. Ouais. Alors, donc on est en 4S, faut y penser. Avec mes petites Zop Power qu'on ne peut plus de la vie. Ça fait un moment que je les ai. Hein. Faut pas dire une éternité.
Il marche bien. C'est souple, pas de prop wash. C'est hyper fluide en tout cas. Petit power. Un tout petit peu de prop wash. Ça va. Je suis en 25 mW, donc je vais peut-être pas aller trop loin. Pour l'instant, tout va bien. Donc je regarde dans la bonne direction. Ça frisouille un petit peu, mais ça va. La hauteur est bonne. Ouais, j'ai perdu, hein, dès que j'étais de l'autre côté des arbres. Donc j'espère que j'enregistre le DVR, punaise. J'avais un doute sur le 1 bip ou 2 bip. Prochaine fois, j'emmène 2 DVR. Au cas où. Ah, c'est propre en tout cas. Il est hyper fluide. Vole bien. J'ai pas trop de place moi là. Hein. Alors là pour débuter, en 3S je suis sûr qu'il est un peu mou. Hein. En 4S c'est plutôt pas mal. Hein. On a du temps de vol apparemment. Je suis à fond. Donc on sait, hein, il n'utilise pas sa ressource en 4S, c'est clair. Donc là, je vais pas aller trop loin, parce qu'en 25 mW, j'ai peur de perdre dans la co. En tout cas, il est loqué, il est propre. Pits d'origine. Faire une ligne droite jusqu'à la maison. Pousse, je suis à fond. Pas mal ça. Allez, je vais pas insister. On a vu ce que ça donne. En tout cas, les images sont superbes. C'est joli comme tout. On va se poser. Il faut pas hésiter à mettre du gaz en 4S. Hein. Un peu haut. Hein. Allez, c'est parti. On est en 6S. Préarmement. Armement. Bon vol. Oula, ah voilà, ça force plus. Niveau du throttle, je suis environ à 30% pour le maintien. Ah, tout de suite, ça change tout. Là, on a la puissance. Hein. Je vais regarder en combien je suis en milliwatts. J'ai envie de monter un peu pour essayer d'aller un peu plus loin. Ah là, ça réagit tout de suite là. Oh, pas mal. Alors, tac, feature. Hop. 200, normalement c'est 100, 200, 300. Donc ça correspond à ça. Donc là, je dois être en 200 en mettant sur 500. Voilà, tac. On a bien vu qu'il y avait eu le changement. Qui s'était opéré. Armement. Let's go.
Allez, on va aller se faire un tour dans le fond là-bas. Ah, ça marche mieux tout de suite, hein. La vache. Ça n'a rien à voir, hein, au niveau du répondant, hein. Ouais, j'ai plus de portée, c'est cool. Ah, puis il récupère super bien. Excellent. Là, le moindre coup de gaz et hop, et on récupère direct. Propre. Vous savez que j'aime bien. Ah, ça monte tout seul. Nickel. Waouh, 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 ouais, ça marche bien. Hein. J'ai plus beaucoup de batterie, mais ça marche bien. Excellent, ce petit 140 HV Wizard. Dans la famille Wizard, je demande le petit-fils. Ah, ça badigeonne quand même. Hein. Eh ben écoute, bah écoutez, hein, les fans de freestyle, pour la reste, je sais pas, parce que je vous dis, la frame m'a l'air un peu fragilos en cas de choc. Donc soit vous faites comme moi et vous choquez pas. C'est drôle ça. Mais la race, je pense pas, hein, parce qu'à mon avis, à la première gate, on pète les bras, c'est sûr. Allez, on va essayer de se poser proprement sur la pianche. J'aurais dû ramener mon tapis. Hein. Hey, yep les amis, hey, on n'oublierait pas quelque chose? Eh ouais, le tirage au sort, enfin c'est même pas un tirage au sort, c'est la réponse au concours pour gagner le Hobbymate Astéroïde en partenariat avec Culture FPV. Coucou mon petit Dave. Eh ben écoutez, le nom du gagnant, je vais vous le donner tout de suite, je vais vous l'afficher à l'écran. Le total était de 121,4 et la meilleure réponse, celle qui était le plus proche, et bien joué à toi, parce que franchement c'était fino, j'ai eu beaucoup de 21,3, j'en ai eu quelques-uns, mais il y en a un parmi tous ceux-là qui m'a mis 21,32. Eh bien c'est lui qui a gagné, qui a remporté. Donc je ne l'ai pas en tête, mais je vous affiche le nom en bas de l'écran. Il a gagné le concours. Donc t'as plus qu'à me contacter dans les messages pour qu'on puisse se retrouver en privé. Au pire des cas, moi je t'enverrai un petit message. Si jamais t'as pas vu la vidéo, ça c'est pas bien. Hein. Donc félicitations à lui pour avoir gagné, pour avoir trouvé à 0,8 mm près. Donc voilà, en ce qui concerne pour aujourd'hui le petit X140 HV Wizard de chez Ishin, et ben franchement, personnellement, vous allez dire t'es toujours content Taz, mais non, pas toujours, là je suis content, voilà, je suis désolé, ça fonctionne bien, en 4S c'est cool à piloter, et ça pilote bien, j'ai rien à dire, je parle pas de mon pilotage, hein, je parle des réactions du drone, et en 6S ça envoie du pâté, ça tient bien, c'est ma troisième batterie en 6S, j'en ai fait deux en vol à vue, pour justement tester la puissance, etc. Voir si j'avais pas de problème d'ESC. Et non, aucun souci.
Donc pour moi, je valide. Pas une super note quand même, rapport à ce petit carénage, à ce petit châssis qui m'a l'air un peu faiblard. Donc soit c'est souple et ça amortit les chocs, soit je me trompe pas et c'est un petit peu fragile. Sinon, le montage est propre, les réactions sont bonnes. J'ai rien à dire sur ce petit quad. Bravo Ishin, encore une fois. Ceux qui vont l'acheter, à mon avis, en seront contents. Prenez juste garde de ne pas vous prendre des chocs. Voilà, choisissez un terrain comme ici, avec de la moquette au sol. Et prenez pas trop de risques en attendant d'avoir l'engin bien en main. Donc bien sûr, vous retrouvez les liens dans la description pour ceux qui veulent filer un petit coup de main à ma chaîne. Un petit clic dessus, ça suffit. Mon partenaire sait que vous avez cliqué, sait que ça vient de chez moi. Ça fait plaisir. C'est pas le meilleur drone du monde, mais il a ses avantages. Il est plutôt sympa. Voilà, franchement, je ne suis pas déçu. Je ne vais pas le dénigrer. Plutôt correct, j'ai pris mon petit pied. Donc voilà les amis, moi c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas, à la fin de la vidéo, peut-être il y a une surprise, peut-être pas. Je vais voir parce que je galère avec mon DVR. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao! Such tired eyes, and everything
said we'd be. We just traded for a suit coat and a tie. Where the ocean meets the sky. Under your toes.